Hello les amis, c'est Mitrap Nomad de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve aujourd'hui pour la soluce d'un sanctuaire que j'ai trouvé particulièrement difficile, le sanctuaire de Makasula, près du village de Cocorico. Donc si vous regardez cette vidéo, c'est que vous aussi vous devez vraiment galérer. Alors je ne sais pas du tout si cette soluce que je vais vous proposer maintenant est celle qui a été pensée par les développeurs, mais c'est celle que moi j'ai réussi. Donc allez, on commence. Donc là, évidemment, une infiltration, enfin infiltré direct pour monter. Là, jusque-là, tout va bien. Ça va commencer à se compliquer. Là aussi, ce passage, ça va tranquille, hein. Vous appuyez, vous tapez sur ce petit réceptacle et vous le placez au bord pour ensuite vous infiltrer. Hop, on s'infiltre, on monte, on saute. Jusque-là, tout va bien. On se dit que c'est tranquille. Là encore, pour aller chercher, donc là, vous voyez qu'il y a donc l'espèce de réceptacle, le boulier, pour ouvrir cette porte. Et la boule se trouve de l'autre côté. En fait, là, jusque-là, c'est pas trop, trop difficile. Voilà, j'ai pas besoin de vous dire à partir de quel moment ça devient compliqué, vous le savez. Bon allez, on va placer tranquillement là notre espèce de, comment je pourrais appeler ça, ouais, la barre. Voilà, on s'infiltre. Vous savez, c'est comme le mec qui chute. Il dit, hein, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien, jusque-là tout va bien. Là, c'est pas trop compliqué. Quand on connecte nos neurones, ça va, ça fonctionne. C'est vraiment après. Donc allez, on s'infiltre. Donc là, on pense bien à récupérer. Ça aussi, hein, je dis que jusque-là tout va bien, mais moi j'avais pas récupéré le truc au début, donc on pense bien à récupérer. Je sais pas comment appeler ça. C'est cette espèce d'échelle. Je sais pas comment appeler ça. Donc là, vous voyez que le coffre a déjà été pris, logique, hein, parce que je ne voulais pas cacher. Il a fallu quelques essais. Donc voilà, là, c'est pour vous montrer comment aller choper le coffre. Donc là, hop, on prend la boule qu'on peut aller coller. Hein, elle se colle hein, dans le réceptacle. Vous pouvez la coller, évidemment. Vous êtes même obligé de la coller si vous voulez pas qu'elle bouge trop. Qu'elle bouge juste, même. Donc si je vais vite, c'est parce que je pense sincèrement avoir passé 30 bonnes minutes sur ce sanctuaire. Donc voilà, ce sont des collages mais totalement improbables. Et vous allez devoir faire, je pense, plusieurs essais pour que ce soit assez stable. Parce que ça va souvent être ce genre de problème, stabilité. Donc c'est des collages, hein, vraiment. Et si ça vous semble ridicule, moi aussi, mais c'est comme ça. Je pense vraiment que les développeurs ont laissé libre cours vraiment à notre imagination. Et qu'on n'aura peut-être pas tous la même soluce. Donc voilà, hop. Donc là, on va récupérer notre Lego. Qu'on va passer de l'autre côté. Parce que, bah, voilà, on a besoin. On essaie de pas trop se le prendre sur la tête. Vous voyez, il y a un équilibre à avoir pour que ça reste stable, la construction. Donc hop, on balance là, ça va ouvrir de l'autre côté. Donc pour ceux qui galéraient peut-être à récupérer la boule, voilà, une façon de faire. Et donc moi, la première question que je me suis posée, c'est pourquoi encore ce réceptacle ? À quoi peut servir ce réceptacle? Parce que ben, quand on voit ça, on se dit qu'il y a forcément une boule à mettre. Mais moi, j'ai pas trouvé. Alors, il y a peut-être une autre soluce. Je vous répète, moi, je vous montre la soluce que moi, j'ai trouvée. Il y a très certainement d'autres méthodes, mais moi, je les ai pas trouvées. N'hésitez pas en commentaire, d'ailleurs, hein, si vous avez trouvé une méthode qui vous semble être plus logique. Encore que pour avoir fait plusieurs sanctuaires, je ne trouve pas qu'il y ait de logique. Je pense que c'est vraiment chacun sa méthode. Et pour avoir fait ces sanctuaires
à deux, on n'avait pas forcément l'un et l'autre la même façon de voir la soluce. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, vous avez trouvé une autre méthode. C'est assez intéressant, hein. Ce serait assez intéressant de voir ce que chacun fait. Donc là, le but, il est simple, c'est d'aller récupérer la structure qu'il y a en face. Parce que ben, sinon, on a tout essayé et ça ne passe pas. Il nous faut absolument la structure qu'il y a en face. Donc c'est vraiment, ça se joue au millimètre. C'est pas évident. Et même là, pendant que je vous parle, je suis assez tendue. Je vous cache pas. Allez, pas histoire de pas tomber, hein. Allez, 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 allez. Voilà. Donc ça, c'est récupéré. On va faire vraiment, on va empiler les trucs comme on peut. Bam. Voilà. Donc on va aller récupérer cette structure. Le but en fait, je pense que vous l'avez compris, c'est de faire un assemblage le plus haut possible pour pouvoir s'infiltrer le plus haut possible et ensuite sauter en paravoile jusqu'au bout. Je pense que il y a pas mal de sanctuaires comme ça qui vont vraiment faire péter un plomb. Et ça serait tellement intéressant de voir ce que les développeurs avaient prévu, ce que eux, comment ils ont pensé le truc, parce que franchement, je. Progresse dans le collage. Vous aurez besoin des deux pieds pour stabiliser. Vous avez besoin d'un maximum de pieds là pour stabiliser. Sinon, ça va pas tenir. C'est pas joli, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas c'est pas beau à voir, mais le but c'est pas que ce soit beau en fait, hein, le but c'est d'aller de l'autre côté tout simplement. Bon, eh ben, la tour de Pise là, elle tient. Parce que c'est clairement ça, hein, c'est une tour de Pise. Donc là, le but, comme je vous l'ai dit, ça va être d'aller de l'autre côté. Et après 30 minutes d'essai, c'est la seule solution que j'ai trouvée. Il y en a sûrement d'autres, hein, j'espère. Mais voilà, au bout de 30 minutes, t'es bien contente d'avoir trouvé une solution. Allez, 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 allez. Voilà. Bon, voilà. Ouais, je vous mens pas hein, quand je vous dis. Donc, quand je vous dis que ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à quelques centimètres, hein. C'était vraiment pas grand-chose. Hop, on va essayer de gagner quelques centimètres.
Bah, ça devrait le faire. Se mettre vraiment au bord, au bord, au bord, au bord, au bord, au bord. Allez. Infiltrer. Infiltrer. Allez, c'est parti. Allez. Et voilà. Donc, elle n'est pas parfaite, ma Solus, et ce n'est peut-être même pas ce que les développeurs avaient en tête, mais je suis persuadée que ça va aider beaucoup de monde, parce que moi, j'ai pété un plomb avec ce sanctuaire. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter si vous avez trouvé mieux, et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Bye bye les amis.